Ce matin, on est sur le lac Ontario. Je suis présentement avec mon père, avec mes deux enfants. C'est vraiment spécial parce que j'ai pas eu l'occasion souvent de pêcher vraiment avec mon père. La dernière fois que je me rappelle que ça s'est passé, j'étais tout petit, c'était de la pêche à la truite. Ça doit sûrement faire une vingtaine d'années. Et comme mon père parlait un petit peu plus tôt, le plus gros poisson qu'il a pris, c'est une truite de peut-être une demi-livre. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir vraiment y faire dépasser ça. Je suis certain qu'on va y donner la piqûre de la pêche aussi. Puis on a une belle gang avec nous. On est là pour deux jours avec Get It Wet Sport Fishing. Fait que ce matin, on est quand même cinq bateaux. On a une belle gang Lavoie-Maltais. On a une gang qui vient de par chez nous aussi, du Saguenay. Fait qu'en tout, on est une vingtaine de personnes pour deux jours de pêche. En ce moment, la température est idéale. Il n'y a pas de vent, comme on voit, pas de vagues non plus. Puis le poisson est vraiment, vraiment très actif. Je pense qu'on arrive vraiment là au meilleur moment de la saison. Puis on va en profiter pour on va faire prendre un trophée à mon père aujourd'hui. Puis demain aussi, c'est certain. L'objectif aujourd'hui, on est dans un tournoi avec le tournage. Le tournoi, ça s'appelle le Silver Salmon Challenge. C'est un tournoi qui dure 8 semaines de long. Il y a 10 prix par semaine. Ça commence à 7 000 jusqu'à 500 $ par semaine. Mais le plus gros du 8 semaines, lui, il y a 35 000 $ 25 cash, 10 de prix. Hier, il y a déjà 28 livres qui se fait pogner. Sur la barre, est déjà haut. En tout, aujourd'hui, on va mettre 12 cannes à l'eau pour maximiser nos chances d'avoir des belles captures. La précision, les petits détails font toujours que le poisson est au rendez-vous et qu'on a bien du fun. En fait, comment que ça fonctionne? C'est une imitation de tête de poisson. On a une petite languette de poisson qu'on rentre à l'intérieur. Ici, il y a deux trous. On va insérer comme un cure-dent qui va piquer dedans pour le maintenir, qui va casser les deux côtés. Ça fait une imitation qu'un poisson, un éperlin, qui y a de la misère. La canne à pêche est là pour amortir les chocs. Fait que c'est important qu'elle soit des airs. C'est une même, elle ne sert plus à rien, la canne à pêche. Quand le poisson tire, nous autres, on ne tire pas. Dans le fond, c'est chacun notre tour. Quand lui tire, tu laisses tirer, puis la canne des airs, clac, clac, clac. Quand il arrête, tu ramènes. Fin de river. Donc, on voit les palettes sont à angle un petit peu. Et puis, c'est ça qui fait qu'il reste toujours à gauche ou à droite du bateau. Ça va être pour pouvoir pêcher, mettre plus de lignes à l'eau, pêcher beaucoup plus large aussi. Les cannes à surveiller, ça va être les cannes qui sont ces downriggers. Là, il faut les surveiller parce qu'on ne les entend pas. Et voilà, c'est commencé. Oh, oh, oh! Ça va être un gros, ça, en plus. Là, c'est le chaos, le fish promène d'un bord puis de l'autre. Ça, c'est pas bon quand tu traverses la boule. Il va nous l'a sauvé solide, là. Regarde, il est là, là. Oh, yes! Wow! Oh, t'as qu'un erreur! Oh, là, il vient de partir. Ça, il a vraiment l'air d'avoir un beau poisson de la ligne, puis un beau combat. J'ai hâte. C'est big. C'est différent d'une petite truite. Ça peut te faire ça. Non, mais c'est quelque chose, là. Faut le vivre, faut le vivre. Hey! Là, tu viens de battre ton record! Hein? Tabarnouf, hein? C'est parti d'une demi. L'adrénaline n'a pas d'or, comme on dit. Bien content. Attends, parce que là, même si tu passerais dessus, tout le poids de l'eau que tu lui, là, il lèvera pas. Il est bien, bien gros. Justement, c'est quoi le poisson que tu as, Mayu? Il commence à monter, là. Il est plus dessus. Il est plus dessus.
attention à un autre aussi. Non, non. OK, c'est à qui? À moi. Ah ouais, ben ici. J'adore le moment. J'ai en train d'en monter un, puis Mathieu a une touche en même temps. Ça a l'air un beau. OK, vas-y, vas-y, toi là. Et là, il est fatigué à mort. OK, dans le prix. C'est le pire. Hey, c'est le monde. Ouais, on l'a. Ça vaut à peine de venir sur le lac Ontario pour pêcher des bêtes comme ça. Là. C'est même plus considéré comme un poisson pour moi, c'est considéré comme une bête à cette grosseur. C'est un méchant beau trip. Je pensais jamais pogner des poissons gros de même dans ma vie. Je pensais même pas que ça pouvait se pêcher des poissons gros de même. Ça a bien l'air que oui. J'espère juste que Mathieu va en pogner autant que ça. Ça Ouais, là, on monte dans la pas c'est un petit coup de même que tu vas réussir à le gagner. Recule dans le fond du bateau, maintenant. Encore là. Yes, sir! Yeah. Ah, yeah. Yeah. Excité, content, soulagé. Hey, bravo! Merci. Omar, merci. Ton premier ami. Bravo! C'est-tu ton plus gros ami? Ah oui. On va expliquer c'est quoi la cape. Ça, c'est un moulin avec weighted steel. C'est de la ligne d'acier pesante. On a 300 pieds de ligne d'acier, on a 3 onces pour le descendre, puis 200 pieds plus la clip, c'est à peu près 700 pieds. Ben, on a quelque chose de beau au bout de ça, c'est certain. Là, en ce moment, comme il disait, j'en ai pour longtemps parce que j'ai peut-être 700 pieds de ligne de sortie au bout de ça. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est long à riler. Puis il ne se reste pas ramené tout seul non plus. Yeah. Oh, je commence à avoir mal au bout. Yes! 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 Oh, fish, fish, fish! Moins 1000 pieds. Technique à gros poissons, plus creux un petit peu, on a des chances d'avoir un beau spécimen. Je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est la même canne que je viens juste de fêter mon poisson. Il doit avoir 600-700 pieds de ligne de sortie. Il n'a pas l'air à se laisser rentrer facilement, ce poisson-là. Fait que nous autres, on va aller dîner. On va revenir après, voir si Antoine a fini son combat. Mais là, il est parti pour un bon petit 30 minutes de combat, d'après moi. Ouais. Ah, ben ouais, c'est... On va regarder le micro. On va regarder l'heure. On va ça. Oh, un doublé! Hey, un doublé en ce moment pour mes garçons. C'est extraordinaire de voir ça. Il y a le fight de la journée, lui. Oui, bravo, il y a le poisson de la fin de semaine, Antoine. J'ai plus de force déjà. Encore 150 pieds, mais. Pas tant que ça, j'ai plus vraiment d'énergie. Hein? Yes! C'est cool, c'est vraiment le fun. Hey, ça donne un méchant beau combat, ce poisson-là. Ouais. C'est quelque chose. Hey, t'es même pas rendu à métal encore. Hey, ça c'est un fish là qui a l'habitude. Je sens pas gros bord en moi, hein? Ah, essaye de forcer les chevaux. Oh, oui, Antoine!
Ça donne chaud, ça. Parfait, mais Antoine, il a beaucoup d'expérience. Il va en pêche partout. Il est super bon pêcheur. Hey, des mains, t'en rends pas cinq dans une journée. Moi qui arrête pas de le vanter tantôt, dire, il est en chine. Ah, l'autre qui est vert demain, je pense. C'est le plus gros combat que j'ai vu cette semaine, à date. J'ai hâte de voir le spécimen. Fiche à droite! Un autre fiche! Il faut pas le faire. Fiche là! Hey! 5 poissons pendant qu'il rentre son poisson! C'est comme ça toute la famille! Une bonne chance, Dan n'a pas, il l'aura perdu anyway! Ah! Get ready, peut-être! OK, Antoine, tu vas t'en venir ici. Va te faire la chaise, je serai jamais capable. Allez, ça fait mal! Ça fait mal! Je veux pas imaginer ce qu'on vit dans les boys! C'est gros en tabarouette! Hey. Oh, c'est gros! Hey, t'as pas peur d'un joueur! Hey, sérieux, là, ça a tout de suite gros! Pendant ce temps... Ça va bien, gros. Avec de la misère, on a mes bras. Tu regardes ta caméra. Oui. Yeah. Hey, lui, il m'a donné un beau combat. J'aime ça, mon ami. Il m'a fait travailler jusqu'à la fin. Ça va pas mal. Là, Antoine, tu restes concentré. Tu gardes l'attention dessus. Pas d'énervement. Pas besoin de faire de coups vite, rien. On rentre ce poisson-là. On se rappelle que cette semaine, c'est le Silver Salmon Challenge. En fait, il y a beaucoup de prix. On pense que ce poisson-là peut se classer parmi les 10 premiers. On va donc rentrer. On a eu toute l'action qu'on voulait pour la journée. On va rentrer, on va aller peser ça officiellement et aller voir qu'est-ce que c'est. Moi, c'est le plus gros chinook que j'ai vu ici sur le lac Ontario. Il a fait tout qu'un combat. Ça a duré. On avait regardé tantôt. Là, j'ai 42 minutes. Fait que ça a duré une bonne trentaine de minutes facile, ce combat-là. Hey, ça a été dur pour vrai. Je m'attendais pas à un aussi gros combat. J'ai plus de force. Puis là, je suis stressé. Hein. Je suis tout content de mon gros poisson. C'est un de mes plus beaux combats à vie. C'est incroyable pour vrai. Le leader en ce moment est à 28,70. On vient de dépasser ça de quasiment 4 livres. Hey, je suis tellement content. C'est le moment qu'on a vécu ensemble, là, avec toute l'équipe, puis nos guides là, qui ont été fabuleux. Là, on va dire, non, honnêtement, là, c'est summum. On est bien contents. Bien, officiellement, c'est sûr qu'en ligne, on va tout sauter. Là, on a eu genre 5 de suite. Clac, 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 clac. Là, on savait comme tout donner de la tête. C'était quand même particulier. Là, mais,
on a embarqué tout de suite en mettant les lignes. Il y avait 3-4 lignes de mi à l'eau, déjà une touche là, que ça a commencé, puis ça a quasiment pas arrêté la journée. On a peut-être une petite période morte d'une heure, un petit peu comme les gars ont dit, ben, quand ça s'est mis à exploser tout bas, tout côté, des gros poissons, des gros combats, des gros coups de tête. Mais c'est le fun, c'est le thrill, l'adrénaline là, que ça procurait, c'était super le fun. Quand t'aimes la pêche, t'aimes pas la pêche, c'est complètement ça. Ah ouais, je suis comme quasiment fou de pas y aller. Ouais. Deuxième matin de pêche ici sur le lac Ontario avec Get It Wet Sport Fishing. On a passé la soirée d'hier à parler de notre saumon de 32,02 livres. On va se le dire, tout le monde est venu nous voir, tout le monde nous en a parlé. Présentement, Antoine est le premier pour le palmarès, vraiment, là, au classement de Silver Salmon Challenge. On est très enthousiaste. Ça a craqué tout le monde. Fait qu'on est parti pour battre le record. On va essayer de battre le poisson de 32 livres, Antoine, aujourd'hui. De le côté, il était loin, il était à 600 pieds. Après ça, une autre touche, celle-là de côté-là. Ouais. Puis pas longtemps après, une autre touche, elle en plein centre. Fait qu'on les a ramenés toutes les trois. Fish. On a déjà un poisson sur la ligne, un beau poisson. C'est qu'un reste, c'est la relève. J'adore. Puis mon homme, t'es pas là, tu voulais un gros poisson, tu l'as là, ton poisson. Il reste 300 pieds. Let's go, Vincent, let's go! J'ai pas de grippe. Encore un monde! Aïe, aïe! Attention, on va compter. C'est hot. Vraiment, là. Les deux garçons qui se combattent des kings en ce moment, là, c'est un super de beau moment. C'est tellement le fun. Oh oui, Vincent, là, beau poisson. Il est rendu à côté, faut pas lâcher. Ah, tu aimes ça, le poisson? Oh, Antoine, il y a un méchant combat à côté aussi. Là, tu l'as, ton gros, hein? Le poisson, fiche. Oh. Ah,
J'ai pas réussi à dormir encore. Regarde, il commence. Là. Ben, il donne les machins à goût, moi, là. Il donne les coups de tête, je sais pas. Là. Non, mais là, pour les qui sont mêlés. Là. Il est là, là. On le voit. Yeah! Wouhou! Wow! Encore! La grosseur des fiches. Ouais, pour vrai, j'ai fait vraiment un beau combat avec ce poisson-là, je suis content. Non, lâche pas, lui non plus d'ailleurs. Bordel, c'est bon. Vous voyez pas l'image que j'ai, là. Le soleil, le reflet, la ligne qui s'en va à l'eau, puis ça, le monstre qui tire au bout. Ça, là, pour que ça soit immortalisé, qu'on dit. Hey, c'est un beau en tabarouette. Honnêtement, c'est le combat de ma vie, comme on dit. Là. Comme on dit, toute bonne chose a une fin. C'est déjà la fin pour ici, pour notre voyage sur le lac Ontario pour 2020. On a vécu une expérience inoubliable. J'ai eu la chance de repêcher avec mon père la dernière fois que j'avais fait ça. C'était vraiment quand j'étais tout petit, je devais avoir 7 ou 8 ans. Le moment fort du voyage, c'est certain que c'est... le moment où Antoine a pris vraiment son gros Chinook de 32 livres, on y croyait pas, c'était un combat interminable, vraiment très long, très dur aussi. Puis Antoine, il a persévéré vraiment jusqu'à la toute fin. Il l'a sorti tout seul. Puis je me rappelle encore de l'instant où ils l'ont accroché vraiment pour voir le poids. Je pense que je me croisais les doigts, les pieds. J'essayais tout pour que ça fasse au moins un 30 livres. On a eu une super de belle surprise, c'était 32,02 livres. Présentement, bien, il est le meneur pour le tournoi ici. À chaque semaine, il y a un grand prix de 7 000 à gagner. Et à la fin de l'été, il y en a un plus gros encore de 35 000. Pour aujourd'hui, le moment fort, c'est le triplé, c'est certain. Mon père nous a encore battus. Il y a eu un saumon de 23 livres. Mes deux garçons en avaient 19 livres. C'est des poissons vraiment gigantesques. C'est des poissons combatifs aussi. Dans tous les autres bateaux, ils ont eu beaucoup, beaucoup de poissons. On avait le bateau avec Carl de la Voie Maltée qui ont aussi eu beaucoup d'actions, comme nous, un triplé ce matin en commençant aussi. Une chose est certaine, on est fiers de ce qu'on a accompli, on est fiers du voyage ici. Tout le monde a eu beaucoup de plaisir. On a eu du poisson en abondance, vraiment. Puis on est très choyés d'avoir vécu cette expérience-là avec cette belle température-là puis d'avoir partagé ça avec ma famille. Regardais tous les matins, tous les soirs, les updates. J'espérais gagner, puis ben, ça arrivait.